bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve à Gien-les-Bains, comme tous les dimanches. Je pense que ça va être une vidéo assez exceptionnelle. Hop, je passe entre tout. Regardez ce que j'ai derrière moi. Donc on commence ce petit car spotting à Gien-les-Bains comme tous les dimanches soirs au même endroit. Je pense que cette année, ça va être incroyable. Vu les véhicules qu'on a dans le secteur. Donc là déjà, on a le super combo. Qui nous vient de Dubaï. Avec deux couleurs vraiment incroyables. Donc celle-ci était présente l'année dernière, mais le propriétaire n'avait pas ramené là, la Ferrari. Donc aujourd'hui, enfin cette année en tout cas, c'est le cas. On a les deux combos, c'est juste formidable. Il a eu une bonne idée de ramener les deux. Quelle belle couleur pour les deux. Alors je pense que sur le bleu, donc on est sur deux couleurs d'origine, hein, bien évidemment. Et je pense que c'est un Azzurro Dino, si je ne me trompe pas. Pour le bleu Ferrari. C'est la première fois que je vois cette LAF depuis qu'elle est arrivée dans le secteur. C'est-à-dire depuis environ une semaine. L'Aveyron, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup de vidéos là-dessus. Et là, vous avez toutes les vitres, pare-brise, les fenêtres qui sont toutes teintées. On a une 480 Pista ici qu'on a déjà vue au Martinez. Et ensuite ici se cache la Ford GT, pareil qu'on a déjà vu sur Monaco. Qui était juste ici, vous avez dû l'entendre. Quel son de derrière quand même. Et quel combo avec la LAF et l'Aveyron qui sont juste à côté. Thank you.
beau convoi comme d'habitude, comme chaque année. Le rond-point, pas du tout. Donc il faut un permis poids lourd, hein, bien évidemment, pour conduire cette chose. Et l'achiron habituel de Cannes, la Panda, fidèle au poste. Notre combo comme tous les ans. Alors d'habitude on avait ce combo uniquement en Juan le dimanche. Là donc là on l'a au Martinez et à Juan le dimanche. J'espère que vous m'entendez, il y a pas mal de bruit autour de moi. Donc bien évidemment, comme je vous expliquais dans une ancienne vidéo sur Cannes, toutes les chirons se baladent jamais seules. Est-ce que je me ferais pas écraser par un 6x6? Bonjour, ça va? Alors je me déplace un petit peu, regardez qui on retrouve, l'Aventador de l'autre soir qui ne démarrait pas, et apparemment elle redémarre, donc ils l'avaient poussé, ils ont dû lui mettre un petit coup de booster et puis c'est reparti. La voiture n'avait pas beaucoup roulé depuis qu'elle était arrivée en France, et donc on la retrouve à Juan-les-Pins. La tradition du dimanche soir. Bon, je vous fais un petit plan de derrière également, puisque au Martinez on n'a pas eu trop l'occasion de les voir de derrière, à part quand elles sont arrivées ici. Bon, effectivement, c'est toujours les mêmes chaque année, mais ça fait toujours plaisir de les revoir quand même, malgré tout, même si on est habitué. Avec le 6x6 qui est ici. La connerie française. Pas d'ailleurs. C'est bien de cracher sur les Aventador. C'est bien, c'est une belle pratique. Je vous laisse apprécier la connerie française. En fait, quel que soit le lieu, tu peux pas sortir ta caisse tranquille le soir. T'as réussi dans je sais pas quoi, dans le notariat, frère. Tu t'es fait un petit plaisir. Pour l'été, tu sors ton Aventador, tu as Juan-les-Pins, bon voilà, c'est plus populaire que Cannes, hein, largement même. Et puis tu as ce genre de conneries. Nickel. Nickel.
voilà, donc si vous demandez ce que font les mecs, le soir, le dimanche soir, tout le monde est ici. Voilà, on est avec Fipeux. Et puis là, on se dirige vers, vous savez, le casino, le supermarché, là. On va se diriger là-bas, vers un casino supermarché. Donc là, comme je vous l'ai dit, hein, on est au casino. Hein. Je vous ai dit qu'on allait au casino. Ah, ah bah alors, qu'est-ce que tu fais là toute seule? Qu'est-ce qu'elle fait là, la petite SP2? Avec la F8 de Cannes, vous la reconnaissez. Elle est toute seule. La belle Monza SP2. Alors on en a vu pas mal, hein. Entre le Cavalcade, si t'as pas vu ma vidéo, je te conseille vivement d'aller la regarder sur ma chaîne YouTube. Parce que c'était incroyable de voir autant de Monza et de la Ferrari sur la place du casino. Bon, je vous la filme un petit peu dans un autre contexte. C'est assez rigolo derrière un supermarché comme ça. Je pense que j'ai dû voir au moins, depuis qu'ils sont sortis, du coup, au moins 30 SP2. Bon, SP2, SP1, donc Monza, on va dire en général. Les gars, combo, si je monte le téléphone, regardez ce qui arrive. Incroyable. Et on rebascule. Ça, les gars, c'était pas prévu. Ah oui, il va terminer.
précipite pas. Ça y est, il est arrivé, il a bien bloqué la circu. Ça bloque Juan les pins en Chiron là. Comme d'habitude, hein. Et assez.